Coucou. Chers Mélimélo, il y a ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'ai un bouton là. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement direction la Corée du Sud avec vous et je vais réagir à une vidéo qui est sortie le 11 juillet. Donc il y a seulement 3 jours. C'est un projet. Je me demandais c'était quoi parce que je vois X, 5, attends, 1, 2, 3, 4, 4, 4, F-O-U-R. Ah, je vais dire X. 4 et le titre de la chanson se nomme Present. J'ai eu ça dans mes notifications et je me dis qu'est-ce que c'est. Je dis je vais pas appuyer, je vais aller me renseigner et en me renseignant je me dis oui, il faut que je réagisse à ça. Alors apparemment il y aura une exposition universelle de 2030 qui se tiendra à Busan et par rapport à cet événement ils ont tout simplement dévoilé son propre groupe qui s'intitule donc X4 et ils sont composés des membres chanteurs de Ziyunte, le rappeur Weinstein, il y a John Somi et une des membres de Oh My Girls, Erin, ainsi qu'une publicité télévisée dramatique et futuriste. Donc en clair c'est une sorte de pub en chanson et apparemment c'est très futuriste et dramatique. Alors ils disent aussi que le MV se nomme Present et mettent en scène ces 4 membres alors qu'ils se réunissent pour dire le moment que le monde n'a jamais vu auparavant, le présent. Découvrez donc le MV tout aussi futuriste ci-dessus. Voilà le petit article que j'ai trouvé, j'ai même eu du mal à trouver parce que je mettais X4, nanana, même Korean Group et, hein, et ça me rapportait toujours un groupe japonais qui ont le même nom. Donc je dis quand j'ai vu cette information, je fais ah ok c'est ça, il faut que je réagisse et c'est arrivé le moment maintenant. Par contre je n'ai pas eu accès aux sous-titres donc je sais pas de quoi la chanson va parler. Est-ce que... Le logo est assez sympa. Si vous entendez un bruit de fond, c'est ma petite mamounette qui passe quelques jours chez moi et qui met sa télé. Enfin, qui met ma télé. Oh. Oh. Oh, Soumi. Waouh, elle est trop canon. Oh. Trop jolie. Ils ont tous un accessoire, en tout cas les deux filles ont un accessoire où ils montrent le nom du groupe. On va voir si les garçons aussi. Et ils ont choisi quand même une belle paire de quadruplés, on va dire de Gota. C'est pas très français. Ok, on va vraiment ce côté futuriste, ça y est, on est en mode Transformers ici. Ça aurait été sympa si les membres masculins avaient aussi une sorte de représentation de ce X4. Ils le regardent dans leur bout d'oreille ou leur bague peut-être, mais non. On dirait que le truc représente un X4, le gros bazar là, non? Ça fait trop penser pour les Marvel et tout quoi. Je trouve que les points de vue, les plans individuels, les plus beaux sont quand même ceux de Somi, comme si on avait mis un accent plus sur elle. Je trouve ça dommage. Oui, on voit que c'est un X4. Hein. Oh, évidemment. Il fallait choisir quelqu'un de marquant à la fin. En fait, lui, il joue le Black dans les Marvel, là. Je sais même plus comment il s'appelle. Ok.
Alors, que penser de, on va dire, cette pub? Franchement, elle est bien travaillée, la chanson est assez sympa, vraiment. Les paroles sont bien réparties. Je trouve juste ça dommage que tous les plans individuels étaient beaux, mais ceux de Somi étaient juste magnifiques. Après, c'est juste mon avis. Pourquoi on a pu s'accentuer sur Somi? Je ne comprends pas. Peut-être qu'on aura une suite qu'on comprendra peut-être mieux. Je n'ai pas compris trop le message, puisque je n'ai pas eu accès aux sous-titres, malheureusement. Mais j'ai bien aimé les détails sur les deux jeunes femmes, ce X4 en boucle d'oreille ou en collier, et puis ce fameux vaisseau comme dans les Marvel, hein, où là c'est à fond SF, hein, non, franchement j'ai bien aimé, mais voilà, c'était sympa à regarder, vraiment une belle pub quoi, une belle pub pour un événement aussi grandiose je suppose en Corée, à Busan. Et vous mes chers Millimélomé, qu'est-ce que vous pensez de ce, enfin, j'allais dire trio, mais ce quadruplé, je sais pas, ce groupe, on va dire, pour ce spécial publicité, pour cet événement à Busan. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, papa. Sayonara.